Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement. À une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du malheur du Congo. D'où vient le malheur du Congo? Le Congo, Brazzaville, bien entendu, mon pays natal, est un pays qui n'est pas maudit, non, il est béni, mais que les dirigeants qui se sont succédés n'ont cessé de maudire. En fait, le Congo, finalement, devient comme si c'était un pays maudit. Il n'y a pas de plus grande malédiction que d'honorer son bourreau, que d'honorer l'assassin de votre père ou de votre mère. Il n'y a pas plus grande malédiction que ça. C'est pas possible, les gars. Il n'y a pas, je répète encore, il n'y a pas plus grande malédiction que d'honorer celui qui a assassiné votre père, celui qui a violé votre mère, celui qui a tué votre fils, celui qui a... Vous les honorez là, vous prenez une malédiction incroyable. Parce que nous savons que chez nous, en Afrique, notre tradition, les morts ne sont pas morts. Ils ont seulement transité. Ils vont dans un autre monde où vous ne les voyez pas, mais ils continuent à agir pour vous protéger, pour vous accompagner, pour vous conseiller. Mais ces morts-là, quand ils vont voir que vous êtes en train d'honorer ceux qui les ont précipités avant leur temps à la mort, eh bien, croyez-moi, ils ne seront pas contents et ils vont vous tourner le dos. C'est le cas du Congo Brazzaville. Je répète. Écoutez, nous sommes en train de louer notre bourreau. Même mort, là, on continue à le louer. C'est incroyable. Vous voyez? Là, je ne parle pas de la France qui nous a colonisés. Non. Je parle du premier de ceux-là qui est venu, qui a découvert le Congo pour le coloniser. De Brazza est venu rencontrer le roi Makoku. Et notre aîné Théophile Obenga est bien placé, le professeur Théophile Obenga, qui est reconnu comme étant un grand, sinon le plus grand, après Tchekonta Diop, égyptologue du monde.
il pourra témoigner, Makokola a reçu De Brazza. De Brazza est venu lui faire des propositions ignobles, ridicules, imbéciles. Et De Brazza, Makoko n'a pas accepté les propositions de De Brazza de gérer ensemble le royaume du Congo. Déçu par le roi Makoko qui ne voulait pas céder à ses injonctions, qu'est-ce qu'il va faire pour l'humilier? C'est de violer une femme dans la cour du roi. Donc il a violé là notre mère à nous. Ce De Brazza que vous voyez. Il n'y a jamais eu de traité Makoko De Brazza. Il n'y a jamais eu de traité entre Makoko et De Brazza. Les grands historiens aujourd'hui vont vous le dire. Il n'y a jamais eu de traité. Mais De Brazza viole dans la cour du roi, humilie la royauté, humilie nos ancêtres. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en retour? On le loue. Ouais. À double titre. D'abord, la capitale de Brazzaville, la capitale du Congo, on donne le nom de Brazza. Brazzaville. Il y a même des Congolais qui donnent le nom Brazza à leurs enfants. Vous allez me dire qu'il y en a qui ont réussi et tout, mais ça, c'est le hasard. C'est toujours. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on a réussi. On est toujours maudit. Bref, vous savez que les noms maudissent. Hein? Vous savez, dans notre culture, le nom vous maudit. Quand on vous donne un nom là, qui porte une malédiction en soi, eh bien, vous êtes maudit. Quand on vous donne le nom d'un criminel, vous avez de fortes chances d'être criminel ou d'être maudit aussi. C'est clair. Bref, on prend la capitale de notre pays, on donne le nom de De Brazza. Donc on est en train de louer De Brazza. On est en train de le glorifier. On est en train de l'honorer. Alors que c'est un criminel. Sa place serait en prison. Vous voyez ce qui se passe? Ça, c'est la première erreur et malédiction que nous avons portée sur nous. Et tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais, y compris le président de la République, nous sommes responsables. Nous payons le prix de cette malédiction. Je répète, tous les Congolais. Et deuxièmement, comme si ça ne suffisait pas, on va créer un mausolée. De Brazza. Elle dit qu'on va aller prendre le reste du corps de De Brazza. Je ne sais pas où, en Algérie. On amène au Congo. On dépense des milliards pour qu'il se repose en paix dans le pays qu'il a souillé. Même devant Dieu là. Même devant Dieu. Le Dieu là de Jésus et le Dieu des musulmans là. Même devant ce Dieu là. C'est que quand il nous regarde, il dit, mes enfants, vous êtes devenus fous. Vous êtes devenus fous. Vous allez peut-être, les chrétiens vont dire, on a pardonné. Ça ne marche pas comme ça. On peut, quand on le veut ou non, on peut pardonner. Mais il y a des choses qu'on ne pardonne pas, telles que ça, ce cas. Parce que ça nous a conduit après à la colonisation et tout machin, tous les dégâts que ça entraîne jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours colonisés, on n'est pas encore indépendants. Vous voyez, donc, c'est la malédiction du Congo vient de là. On ne fait que célébrer un tueur de nos parents, de nos ancêtres. Eh oui! Le roi Makoko, c'était un des grands rois de notre pays. Puisqu'il a régné jusqu'au Congo-Kinshasa. Parce qu'il faut reconnaître que le Congo, là, au début, là, le Congo, là, c'était le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville et le Congo-Angola, avec K. Quand je dis Congo, là, Congo, avec K.
Donc, ça, c'est une très grande malédiction que nous portons sur nous et il faut qu'on se débarrasse de ça. Comment? On n'a pas le droit d'avoir le mausolée de Brazza chez nous. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas venir sur cette terre-là. On le garde encore, c'est clair. Ça, c'est un. Deux, mais il faut changer le nom de la capitale. Pendant que notre père à nous, hein, le premier président, Youlou, traîne là quelque part en Espagne et autres, on préfère aller prendre de Brazza pour amener au Congo. Mais on est en train de maudire le pays. C'est ça la malédiction. On peut vous faire croire, vous allez voir des magiciens qui vont vous dire non, allez prendre ça, vous amener, ils vont vous dire, c'est pas vrai. On vous trompe, vous dépensez de l'argent pour rien. Au contraire, on est en train de souiller le Congo. On est en train de maudire notre propre pays, nous-mêmes. C'est la responsabilité des Congolais de se débarrasser du corps de Brazza. À moins que, à la rigueur, là, sous son cimetière, on met des chaînes. Parce qu'il est pour dire qu'il est en prison. Oui. Il faut changer le nom. Et moi, je vous fais une proposition. On peut appeler la capitale Brazzaville, Massamba Déba, ville. Qu'on a fait le stade Massamba Déba. Parce que Massamba Déba, jusqu'à preuve de contraire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas là, il faut reconnaître que c'est l'unique président qui a fait des prouesses dans notre pays. C'est le seul, malheureusement. On en a eu beaucoup. Mais celui qui a fait des œuvres que nous avons tous vues, qu'on ne peut pas nier, qui a bien géré notre économie, c'est Massamba Déba. Et il est mort dans des conditions lamentables. Parce qu'on n'a même pas retrouvé son corps. Et la famille continue, nous, les Congolais, parce que c'est un ancien président, donc tous les Congolais continuent à faire le deuil de Massamba Déba. Tant qu'on n'aura pas trouvé son corps. C'est ça le problème. Donc, voilà l'homme qu'il faut honorer en premier. Après, on verra les autres chefs d'État par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils ont laissé. Mais l'homme qu'il faut honorer le premier, là, c'est Massamba Déba. Et ça, c'est l'honnêteté qui l'oblige. Et Massamba Déba, ce serait mieux de donner le nom de notre capitale, Massamba Déba, ville. C'est ma proposition. Ça, c'est juste une proposition. Mais en tout cas, ce qui est de la malédiction, allez-y voir vos experts là, vos voyants, vos féticheurs, vos marabouts, vos magiciens et autres. Ils vont vous faire, ils vont tomber sur le même point de vue que le mien. En tout cas, sauf si c'est des escrocs. Mais je ne vois pas quelle raison peut nous permettre de louer. C'est comme si nous, on va aujourd'hui louer de Gaulle. Quelqu'un est venu nous maltraiter en le loup. La case de Gaulle, l'avenue du général de Gaulle. C'est-à-dire que nous attirons la malédiction nous-mêmes sur nous. Il faut que ça s'arrête. Mais en tout cas, je serais bien heureux que la capitale, hein, Brazzaville, puisse changer de nom pour être Massamba Déba Ville. Point d'interrogation. Ça, c'est mon point de vue. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, veille, yamalé. C'est un débat intellectuel. Il faudrait qu'on puisse trouver des solutions parce que notre pays va mal. On va dans le mur, là, en sifflant. Ça va très mal. Et la situation va s'aggraver dans les jours qui suivent. Je vous ai dit que le FMI, là, qu'ils sont allés chercher, là, qui n'a jamais développé un seul pays au monde, là, est prête à nous avaler. Les Occidentaux, là, avec la guerre en Ukraine, là, ils sont tellement fâchés d'avoir perdu, d'avoir été humiliés en Ukraine, qu'ils veulent en finir avec l'Afrique. Et si nous continuons à jouer avec nos problèmes, là, croyez-moi, nous allons souffrir, nous allons disparaître. Peut-être pas cette génération qui a l'argent, hein. Eux, ils ont de l'argent, les dirigeants. Mais après eux, là, même leurs propres petits-enfants payeront le prix. Mais alors, ce serait même plus grave que nous.
Ah oui, parce qu'ils quand ils vont se rendre compte que c'est à cause de leurs propres parents qu'on est dans cette situation, qu'ils sont dans cette situation-là. Croyez-moi, il y a des gens qui vont cracher sur les cadavres de leurs parents. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. C'est le débat. Nous sommes des intellectuels. Les autres intellectuels, au lieu de venir insulter, venez débattre. Venez apporter des propositions parce que nous cherchons des solutions pour sortir le Congo de cette situation. Et moi, la première des choses que je pose sur la table, c'est d'abord de changer de nom. Et il faut honorer nos propres présidents, nos propres leaders, à commencer par le président Massamba Déba. Et ramener le corps de Youlou au Congo. Voilà ce qui va nous honorer. Voilà ce qui va nous élever. Ce n'est pas aller prendre des gens, des voyous, des voleurs, des criminels pour les amener à enterrer au Congo. Soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu de Kémite. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à bientôt.